les actualités dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférées. Alors n'hésitez pas de liker, abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous les gars. Ruff attaque Booba et l'accuse d'instrumentaliser ses enfants pour du buzz. Le clash repartit de plus belle entre Ruff et Booba, et ça s'en prend aux enfants cette fois-ci. Après avoir poussé un coup de gueule contre Pierre Palmade et Morandini sur la décision de justice à l'encontre des deux personnalités, un sujet sur lequel Booba partageait d'ailleurs son avis. Mais la guerre est encore relancée entre les deux poids lourds du rap game. Ousni vient de tacler Cop sur le fait d'afficher ses enfants sur internet. L'hommage du Booba à ses enfants ne passe pas pour Ruff. Booba il a partagé une vidéo sur son compte Twitter qui compile les meilleurs moments à Miami où il réside depuis plusieurs années. La séquence comporte des images de la vie privée de Booba avec ses enfants. Les internautes ont validé le montage relayé par Cop avec plus de 2 millions de visionnages pour la vidéo. Le TUC l'a même écrit au-dessus de la vidéo, protégeant les enfants, les nôtres et les autres eux seuls comptent. Ruff il a dit, commence par arrêter de les montrer pour rien et de les instrumentaliser juste pour du buzz. Éphémère et prendre la toile par les sentiments. Floute leur visage au moins, c'est pas des jouets imbéciles va. Achraf Hakimi poursuivi pour une affaire de viol, Ruff réagit à sa manière. Ruff est très actif sur ses réseaux sociaux, il n'hésite pas de réagir et donner son point de vue. Après sa dernière intervention dans l'affaire de Pierre Palmade, Wisni, il a réagi aussi à l'accusation d'Achraf Hakimi par un viol contre une jeune femme de 23 ans. Selon le média régional, le viol aurait eu lieu samedi soir au domicile du joueur. La jeune femme serait rendue là-bas par le biais d'un Uber pris en charge par le joueur. Absent pour le classique OM contre le PSG en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Survenu face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Les publications présentes sur les réseaux sociaux semblent également indiquer que la femme d'Hakimi et ses enfants étaient en vacances à Dubaï. Ce week-end, au moment des faits, Ruff de son côté, il n'a pas cru à cette nouvelle. Alors qu'est-ce que vous pensez les amis? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous l'équipe.